Niakate là sur le côté droit. Face à Fofana, Niakate qui passe et qui va pouvoir centrer. Centre de Niakate, attention au deuxième poteau et Cabriou en deux temps. La tête de Koné. Et l'ouverture du score ici après seulement 1 minute et 18 secondes. On ne pouvait pas rêver pour meilleur entame pour Boulogne. Pour Bouekou. Bouekou qui est en train de donner le tournis à Rémi Duterte. Bouekou qui va pouvoir frapper. Le ballon est contré. Attention, voilà, c'est le genre de situation qui peut être. Récupéré par Asanala. Asanala directement. Ouais, pour bon Jérémy Nivolon. Attention, une belle situation. L'arbitre et c'est un penalty. C'est un super ballon d'Asanala dans la profondeur. Duel entre Koro Koné et Yann Kerbouriou. Attention, Koro Koné, ça y est, il s'élance. Et Yann Kerbouriou qui arrête. Oh, qui arrête. Des pertes de balles comme ça sur des relances. Bouekou pour Pouille. Super bel arrêt de Paul Relais. Il fait un bon arrêt de Paul Relais sur cette superbe frappe. Hein. Superbe parce que là. Et la tête prolongée par Labo, attention, attention encore, ouais, ouais, voilà. Et c'est Oumar Bouy, on l'a dit, il a marqué. On avait dit jamais à l'abri de... Là, ce soir, il marque également. Superbe geste dans la surface de l'attaquant. Labo, Bouy, une solution sur le côté droit avec Ludovic Gamboa. Ludovic Gamboa qui rentre dans la surface de l'opération, il y a une solution sur le deuxième. Grosse occasion pour Créter avec ça. Agounon, il y a encore Niakate, maintenant il va centrer, deuxième poteau, il y a une solution avec Koro Koné, qui double la mise, super action boulonnaise, qui redonne l'avantage à cette équipe boulonnaise, 2-1. On a du mal là dans la défense cristolienne, Koro Koné, Youssouf Niakate, une frappe et une parade de la part de, une deuxième parade de Yann Kerbouriou. Ah c'est dommage, trop attentif, hein. Fana ouais, là c'était Gendré. Voilà, c'est l'inconvénient quand on subit. Et on en reste là cette fois-ci, victoire de Boulogne face à Créteil 2-1.